BFM Business présente Lorraine Goumeau. 90 Minutes Business avec vous, la libre antenne de l'économie. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Business avec vous, la libre antenne de l'économie, tous les jours en direct à la radio, à la télé bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à réagir en direct dans les différents espaces de chat, de commentaires de ces réseaux sociaux, et tout au long de l'émission et de la journée à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On salue aussi ceux et celles qui nous écoutent. En podcast, vous savez, le programme de cette libre antenne est en deux temps. On va d'abord répondre à vos questions avec notre expert du jour. On va parler de la réforme des retraites. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire. On va notamment répondre à Bernard qui m'a écrit l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Pourquoi ne puisse-t-on pas dans les personnes demandeuses d'emploi plutôt que de faire travailler les gens après 60 ans Notre avocat avec moi en plateau répondra notamment à cette question. On va aussi. Euh, vous aider à trouver des talents et peut-être à trouver du boulot. Si vous êtes candidat, candidate, ça se passera vers 13h15. On a deux entreprises, une dans le secteur du logiciel et de l'engagement client qui sera avec nous. Et puis, on sera avec un assureur 3.0 qui recherche plein de profils. Voilà, vous aussi, vous cherchez des candidats, des candidates. Eh bien, vous venez pitcher votre boîte sur ce plateau. Et puis, si vous êtes candidat ou candidate et que vous regardez cette émission en direct ou en VOD ou si vous nous écoutez en podcast, eh bien, écrivez-nous. On peut vous faire l'introduction. Avec les différents euh, recruteurs. Vous pouvez réagir évidemment tout au long de cette émission sur LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook et à l'adresse avec vous, bfmbusiness.fr. Mais pour l'heure, c'est le moment de répondre aux nombreuses questions que vous nous adressez tous les jours au sujet de la réforme des retraites et de revenir en détail sur comment ça vous concerne, vous en tant que salarié, peut-être vous en tant qu'indépendant, au masculin, au féminin. Euh, c'est euh, Xavier Pignot qui est avec moi. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Vous êtes avocat, avocat spécialisé sur ce euh, vaste Sujet de la réforme des retraites. On a plein de questions d'auditeurs. D'abord, peut-être. Avant de démarrer dans le dur, si je puis dire, donnez-nous le pouls de vos dernières semaines. Est-ce que vous êtes très occupé par ce sujet et avec quels problèmes les gens viennent vous voir Alors, nous, nous on a une, une, une clientèle d'entreprises, d'assureurs et de courtiers en assurance qui sont spécialisés sur ces, sur, sur ces questions, effectivement, qui s'interrogent sur les modalités de mise en œuvre de la réforme dans leur, dans leur entreprise, dans leur. Pour la modification de leur contrat d'assurance ou leur régime de protection sociale complémentaire. Donc, notre clientèle est une clientèle d'entreprise concernée par ces, par, par ces problématiques qui, qui essaie de, de se positionner d'un point, point de vue RH, notamment, et on va certainement en reparler, d'un point de vue des ressources humaines, comment, comment gérer l'emploi des seniors. Comment intégrer les seniors, maintenir les seniors dans l'emploi après euh, après 62 ans. Voilà emploi, employabilité des seniors au masculin, au féminin et dans la pluralité du terme senior, puisqu'on rappelle que pour Pôle Emploi, on est senior à 45 ans, mais qu'on connaît plein d'indépendants qui travaillent encore à 80 ans. Donc euh, voilà de quoi on va parler. Alors peut-être. Première question un petit peu technique de la part de Patrice, qui nous a écrit l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Xavier, cette réforme aura-t-elle un impact sur les charges patronales selon vous Alors, le gouvernement, et c'est vraiment une doxa du gouvernement, euh, le gouvernement ne souhaite pas euh, augmenter le coût du travail. Donc ça a été affirmé à plusieurs reprises, il n'y aura donc pas d'impact direct sur les, sur, sur, sur les charges sociales. Mmh, mmh. Ce, que la, ce que la Première ministre en revanche a annoncé, c'est peut-être une augmentation des cotisations patronales destinées au financement du régime de retraite, mais en contrepartie d'une diminution du, du financement patronal également des, du, du régime des, des accidents du travail. Donc ce qui est annoncé, effectivement, c'est une, une réforme économiquement neutre. Pour les entreprises. Et ça, ça stresse beaucoup les clients B2B, si je puis dire, qui vous sollicitent C'est vraiment, vraiment une question. On a un taux de charge en France qui est, qui est important, donc les entreprises regardent ça vraiment sur le, sur le, de façon extrêmement, extrêmement précise. Euh, le discours du gouvernement, pour, pour l'instant, positionnement, le positionnement du, du gouvernement est de ne pas traiter. La réforme des retraites avec une augmentation de charges. Euh, réaction de Bernard qui nous a écrit à la suite de votre premier passage, Xavier, euh, à l'adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. Il m'écrit Pourquoi ne puisse-t-on pas dans les personnes demandeuses d'emploi plutôt que de vouloir faire travailler des gens après 60 ans Alors, comment on peut répondre à, à euh, Bernard de manière euh, juridique Alors, Bernard a, a raison, ça pourrait être un, un, un premier réflexe de dire Voilà, il y a, il y a X millions de, de chômeurs en France, 3 millions de, de chômeurs, me semble-t-il. Euh, si ces personnes retournent retourne à, à l'emploi, ça va avoir un impact sur l'économie sur des systèmes et notamment la, la viabilité de notre régime de, de retraite. Je crois que c'est le pari du gouvernement euh, de faire évoluer le régime de retraite sans justement impacter le niveau des charges pour justement maintenir un emploi, maintenir l'employabilité, maintenir l'attractivité des entreprises en France pour, euh, in fine, diminuer le chômage. C'est ce qui est porté, je me semble-t-il, par le gouvernement, une, une volonté de... De cercle, de cercle vertueux. Oui, l'emploi, l'employabilité, c'est ça, euh, les sous-jacents. Euh, Xavier, on a quelques questions qui tombent en direct. Euh, on salue tous nos auditeurs d'ailleurs, euh, ceux sur LinkedIn notamment. Est-ce que vous pouvez euh, éclairer euh, Nathalie qui nous demande qu'en est-il exactement des huit trimestres par enfant octroyés aux femmes les huit trimestres effectivement octroyés par enfant aux femmes vont être maintenus. Mmh. La difficulté, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on vient décaler l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans, l'effet positif de ces huit trimestres, l'effet incitatif de ces huit trimestres a vocation à disparaître mmh. ou à s'amenuiser. Euh, J'ai cru comprendre de la bouche des, euh, du gouvernement ou d'un certain nombre d'acteurs euh, sur, le, sur, sur le sujet qu'ils réfléchissent à faire évoluer euh, ce point justement pour venir... Euh, inciter ou, ou, ou du moins amenuiser les, les effets négatifs de la réforme sur ce point. Voilà. Si vous aussi vous avez des questions euh, comme Nathalie, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez. On essaye de répondre euh, à, aux différents canaux où vous nous sollicitez. Une question, une réaction plutôt euh, de Philippe qui nous parle de son expérience. Il a travaillé euh, plus de deux ans au Sénégal en tant qu'expatrié. Il n'a pas euh, cotisé au régime de base pour la retraite. Il nous demande est-ce qu'il y a un moyen de faire valider ses euh, trimestres sénégalais. Alors oui, il y a une possibilité. Alors Je, je conseille à Philippe de se rapprocher de sa, de sa caisse de retraite. Mais effectivement, il y a une possibilité de faire valider ses trimestres. Ça coûte un peu de sous, mais c'est possible. Euh, sous réserve, me semble-t-il, de respecter un délai de, de 10 ans. C'est-à-dire que le, euh, Philippe a 10 ans à compter du dernier jour d'activité au Sénégal pour faire valider ses trimestres. Et voilà. Bon, on espère vous éclairer. Euh, Philippe, qui nous a écrit à l'adresse avec vous, bfmbusiness.fr. Il y a quelques réactions sur les réseaux sociaux, notamment celle de Stéphane qui nous dit si seulement les Français savaient se préparer une retraite par eux-mêmes on n'aurait pas ce genre de débat alors est-ce que on, on s'est amélioré nous les Français dans la préparation de notre retraite par nous-mêmes alors ça c'est un, une vraie question c'est le système de, la, de, de mise en place d'un système par capitalisation qui viendrait en plus ou en parallèle du système de retraite actuel par, par répartition. Là encore, le gouvernement s'y attelle. Euh, vous, vous avez certainement étudié sur votre, sur, votre antenne, en, sur votre antenne la réforme Pacte et la mise en place d'un certain, certain nombre de, de dispositifs de retraite supplémentaire. Oui. Les pairs, les plans d'épargne. Retraite euh, qui propose des systèmes qui sont individuels, le père individuel, le PER1, ou des systèmes collectifs obligatoires mis en place donc, par, par, au niveau des entreprises, le père On y travaille beaucoup au cabinet. Et effectivement, les entreprises se soucient de plus en plus des, des, des problématiques de retraite, notamment des retraites des cadres, au uh, uh, uh. moyen un taux de remplacement plus faible. Que les non-cadres et les entreprises peuvent mettre en place ce type de système, et, euh, qui, qui, qui peut être un, un, un outil intéressant en complément du régime de retraite par répartition. Voilà, se créer une retraite par capitalisation est la meilleure manière de se créer un complément de retraite. C'est ce que nous dit Stéphane. Euh, Xavier, on a pas mal de questions, euh, mais aussi des réactions. Donc je sais que vous êtes avocat et on n'est pas là pour alimenter le débat, on est là pour éclairer euh, nos auditeurs. Mais qu'est-ce que vous pourriez répondre à Simon qui m'a écrit euh, Existe-t-il une autre solution que cette réforme de la retraite pour faire face au déficit financier qui s'annonce Alors on est sur un système, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le, le régime de retraite en France est un système par répartition. C'est-à-dire que les cotisations d'aujourd'hui servent à payer les retraites d'aujourd'hui. Mmh. Dès lors, euh, pour euh, faire face au déficit, le gouvernement a trois possibilités. La première possibilité était d'augmenter le niveau des cotisations des salariés, des employeurs et peut-être des retraités. Euh, ce choix n'a pas été euh, adopté, n'a pas été mis en œuvre par le gouvernement. Mmh. C'est un choix sociétal. La deuxième possibilité aurait été de diminuer le niveau des pensions. Là aussi, ce choix n'a pas été adopté par le gouvernement. Là aussi, c'est un choix uh -uh. sociétal. La troisième possibilité qui reste, c'est de traiter une problématique d'âge par une problématique d'âge. La, la, la retraite, c'est de l'âge. Le fait que l'espérance de vie augmente est une très très bonne chose, mais nécessairement, ça coûte plus cher au régime de retraite. Euh, le choix du gouvernement, qui est encore une fois un choix sociétal, est de demander aux Français de travailler un petit peu plus pour bénéficier d'une retraite un peu plus longtemps. Voilà, si comme nos auditeurs hein, ou nos, nos internautes qui nous suivent, vous avez une question, bien vous nous l'adressez. Vous pouvez nous écrire en direct sur les réseaux sociaux, dans les, différentes, euh, les différents chats, hein, dans les différents euh, commentaires sur LinkedIn, sur YouTube, sur euh, Twitter et sur Facebook. Euh, je vous précise que vous pouvez aussi nous écrire euh, pour nous solliciter sur d'autres sujets ou réagir sur ce sujet à froid à l'adresse avec vous bfmbusiness.fr. On répond à vos questions tous les matins dans Good Morning Business pour les matinaux euh, à 6h40 et 7h40 et puis à la mi-journée, tous les jours à 13h. Alors, Xavier, euh, on, on, vous nous expliquez au début de ce question réponse que vous, votre chantier en tant qu'avocat, c'est quand même de rassurer les entreprises, de préparer le terrain sur un sujet RH. Est-ce que vous pouvez nous lister quelques-uns des outils qui sont prévus actuellement par le projet pour, comment dire, favoriser le maintien des seniors dans l'emploi, puisque c'est le sujet, c'est maintenir des gens qui ont, pour certains envie et la capacité physique de continuer à travailler, comment on fait pour les maintenir dans euh, le monde du travail C'est une vraie problématique, hein. c'est une problématique importante. Le taux d'emploi des seniors en France est relativement bas, je crois qu'il est à, à, à hauteur de 55%, c'est-à-dire 55% d'emploi des seniors. Un chouïa en dessous de, du niveau européen qui est de 60. 60 ouais. et 75% pour l'Allemagne. Ouais. Euh, donc on est, on est un chouïa en dessous, effectivement. L'objectif du, du gouvernement est de l'augmenter. Et euh, la réforme prévoit un certain nombre d'outils pour inciter les entreprises et les salariés à être à maintenir à rester dans l'emploi. Mmh. Euh, citons par exemple euh, l'amélioration du cumul emploi retraite. C'est un dispositif qui, est, qui, qui peut être assez intéressant, qui aujourd'hui lorsqu'on reprend une activité lorsqu'on cumule sa retraite et un emploi dans cette phase de de reprise d'activité et il n'y a pas d'acquisition de nouvelles cotisations en matière de retraite, de nouveaux droits à retraite. La, la réforme prévoit euh, l'assouplissement du cumul emploi-retraite et le fait qu'en cas de reprise d'activité, cette reprise d'activité donnera lieu à, au paiement de cotisations, certes comme aujourd'hui, mais surtout des cotisations qui seront affectées et qui donneront lieu à l'acquisition de nouveaux droits. C'est un, un point qui, qui est assez favorable. Travailler plus, littéralement, pour gagner plus. <laughs> C'est l'idée. Ça, si on arrive à améliorer ce système qui existe déjà, le cumul emploi-retraite. Si vous avez des questions sur ce cumul emploi-retraite, vous, vous nous les adressez. On a une réaction de Guy qui m'a aussi écrit à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Il faut arrêter de vouloir faire comme les pays voisins. Ils n'ont pas forcément raison. Pourquoi ne pas augmenter les cotisations de ceux qui gagnent bien leur vie <laughs> Xavier, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditeur Alors c'est le choix soci sociétal que j'évoquais mmh. tout à l'heure. Hein, le postulat du gouvernement est de ne pas augmenter le niveau des cotisations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, pour répondre à la question de Guy, euh, vous savez qu'il y a un certain nombre de cotisations en matière de, en matière de retraite en France dont certaines ne sont pas contributives. Mmh. Dit autrement, euh, toutes les cotisations qui sont versées au-delà du plafond de la sécurité sociale, les employeurs et les salariés payent des cotisations au-delà du plafond de la sécurité sociale, au -delà de la, enfin, pour la part de rémunération qui dépasse 3666 euros, ces cotisations ne sont pas contributives. Il y a déjà un système qui est contributif. Donc voilà, ce système non contributif, cette solidarité existe, le choix. Politique du gouvernement et de ne pas euh, l'augmenter. Alors, réaction à chaud de Laurent sur LinkedIn qui m'écrit l'individualisme met à mal le système mutualisé. Euh, ce à quoi j'ajoute la réaction de, de Gérard qui nous a écrit à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. pour faciliter l'acceptation de la réforme des retraites. Pourquoi le gouvernement ne met-il pas en place un fonds de pension d'État financé par les actionnaires des entreprises avec des prélèvements obligatoires sur les dividendes alors un vrai, là aussi, c'est un vrai choix de société. Notre système de retraite depuis l'après-guerre est construit sur la répartition. Donc sur, la, sur cette première question, est-ce qu'on mmh. peut mettre en place un fonds de pension d'État Oui, c'est possible. Euh, mais ce serait un changement copernicien par rapport mmh. au système qui, qui, qui existe aujourd'hui. Ensuite, les, les modalités de financement de cet éventuel fonds de pension. Vous, votre auditeur évoque la mise en place d'une cotisation spécifique, soit les dividendes. Pourquoi pas C'est une cotisation en plus. Euh, Au-delà, au -delà de celles qui existent déjà, et je, je, je rappelle encore une fois la, la doxa à date. Du gouvernement. Voilà, cette réforme de la traite, on va continuer à en parler euh, vous avez des questions, et eh bien nous on essaye d'avoir des réponses, je vous précise que qu'on euh, abordera le sujet de l'employabilité des seniors euh, ce vendredi hein. on se posera la question euh, pourquoi on... si on n'arrêtait pas de parler euh, de salariés seniors, mais si on parlait plutôt de candidats expérimentés, ce sera le sujet hein. les avantages de recruter des seniors et quelles sont les aides, euh, et aussi peut-être les dispositifs de, de management de transition on sera avec une chasseuse de tête pour aborder ce Sujet vendredi. Cher Xavier, Xavier Pignot, je vous remercie infiniment d'avoir joué le jeu de ce question-réponse avec nos auditeurs. Merci à tous ceux et celles qui réagissent en direct. On essaye de prendre vos questions au fil de l'eau. Pardon à ceux auxquels on, on ne peut pas forcément répondre. Je rappelle, Xavier, que vous êtes avocat et cofondateur au cabinet Rigaud Avocat. Ça va être l'heure de recruter. Restez avec nous. Euh, pendant que euh, Xavier euh, cède son siège chaud à ma première recruteuse, je vous rappelle euh, plusieurs petites choses. D'abord, on est en direct sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter euh, et puis aussi sur Facebook. On est bien sûr à la radio, à la télé, en direct pour ceux qui nous écoutent sur les ondes et les canaux euh, plus traditionnels. On salue tous ceux qui nous écoutent en podcast, qui m'écrivent parfois euh, le soir. Visiblement, vous nous écoutez un peu tard la nuit pour ceux qui nous écoutent en podcast. Euh, on va euh, continuer à recruter. Euh, comme tous les jours, on sera avec deux recruteurs. Je vous donne les, systèmes, les écosystèmes duquel arrivent nos recruteurs. On, on est avec, euh, dans quelques secondes avec un acteur du logiciel euh, sur la thématique de l'engagement client qui nous arrive de Marseille, mais aussi on sera avec un assureur 3.0 euh, dans quelques minutes. Vous cherchez du boulot dans les assurances, dans le logiciel, et bien vous restez avec nous, vous candidatez, vous postulez. Écoutez bien les interviews à suivre. Bonjour Clarisse. – Clarisse Porcher, vous êtes la DRH de Skippers. Avec vous, si je ne fais pas tomber mon ordinateur, on va parler <laughs> de votre entreprise, euh, éditeur de logiciels. Je vous laisse une petite minute pour pitcher euh, votre entreprise à nos auditeurs et à nos auditrices. Allez-y alors Skippers a été créé en 2019, donc le groupe est assez récent mais euh, certainement que vous connaissez les entreprises qui la composent puisque c'est euh, la création et le fruit d'une d'acquisitions, d'acquisition de, 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 de différentes marques et euh, nous, avons, nous nous positionnons comme euh, le, le leader de l'engagement client. Donc, euh, ce que nous, nous offrons à nos euh, notre objectif, donc, c'est à la fois euh, d'offrir un parcours euh, à nos d'un parcours de d'un maîtrise du parcours du client à nos, à nos, à nos, à nos, à nos clients, clients voilà. Et, euh, et par ailleurs euh, de réconcilier justement ce, euh, cette maîtrise du parcours avec la, le monde de la digitalisation. Donc nos trois, nos, les six solutions que nous proposons vont permettre euh, justement d'avoir euh, à la fois une meilleure connaissance, un meilleur suivi, une meilleure maîtrise du parcours, euh, du parcours client et de connecter euh, le, euh, le client avec ses consommateurs. Donc euh, ces, six, ces six solutions partent de la collecte d'avis, donc avec la marque Avis Vérifié que vous connaissez sans doute. Euh, euh, jusqu'à euh, le suivi et la gestion du, du parcours euh, client et de la satisfaction du client nous, avons également, euh, nous offrons également des solutions à travers euh, euh, l'intelligence artificielle qui vont permettre euh, d'emmagasiner les données et euh, d'en extraire justement euh, une meilleure connaissance, euh, une meilleure connaissance de, du comportement du client euh, nous avons euh, également euh, une solution euh, qui, qui permet euh, euh, de, 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 de créer des vidéos groupées et donc euh, de, de mieux connaître, euh, d'avoir comme ça une, une maîtrise euh, de, de la gestion finalement de... De, de l'image du client sur, 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 le, sur le net. Et enfin, nous leur proposons également, à travers nos micros et ce qu'on appelle les micros et les nano-influenceurs, de, de pouvoir avoir une relation directe avec, avec nos clients à travers le marketing d'influence. Et enfin, une dernière activité, peut-être que vous connaissez sans doute, c'est le, le shopping en direct, qu'on appelle le live shopping, qui va permettre justement de, de proposer à, à nos clients de, de, à la fois d'avoir une relation directe dans, dans le, dans l'échange et dans le, la proposition des produits. Voilà pour le long portrait de votre entreprise et des différentes solutions que vous développez avec vos équipes. Vous êtes 450, il y a 120 personnes qui travaillent sur la RD dans votre équipe. Vous avez besoin de recruter une vingtaine de personnes et ça vous concerne directement Clarisse parce que vous êtes à la tête de ces ressources humaines. Listez-nous euh, les quelques postes, peut-être les trois les plus urgents à staffer, à pourvoir dans votre entreprise. Alors nous avons 20 postes ouverts actuellement mais nous ambitionnons de recruter jusqu'à 50 personnes euh, et les postes les plus urgents c'est euh, à la fois les postes de, de suivi et d'accompagnement de nos clients, donc les postes liés à la satisfaction client qu'on appelle Customer Service Manager, dé, pardonnez l'anglicisme. Euh, ah ben, avons... On a l'habitude mais dites-nous ça en français pour ceux qui nous écoutent et qui ont moins l'habitude. Voilà, donc c'est le, les, les équipes qui vont accompagner les clients à la fois sur le suivi, le suivi de la relation client et puis qui vont les accompagner tout au long de, de la vie du produit et répondre à leurs besoins. Euh, nous avons également euh, des postes dans, les, dans le secteur commercial avec des, euh, des commerciaux euh, sur l'ensemble de nos lignes de produits, que ce soit euh, euh, sur les, euh, les, les grands comptes, sur les, euh, les, ce qu'on appelle les, euh, les, les, plus petites, les, les, les comptes liés au plus petit secteur. Donc ils vont aller en relation, euh, euh, rencontrer nos clients, proposer nos solutions et, euh, et nous l'espérons euh, les inscrire dans notre réseau qui comprend aujourd'hui plus de 8000 clients. Voilà, 8000 clients qui ont envie d'avoir des clients plus engagés. C'est euh, votre métier notamment avec, effectivement, vous l'avez cité, Avis Vérifié, hein, un site qu'on qu voit beaucoup euh, sur les pages euh, d'Internet. Je précise que vous êtes, euh, entre, l'entreprise est historiquement euh, basée à Marseille, mais vous êtes présent euh, dans le monde entier. Hein, vous avez des bureaux notamment euh, au Brésil et aux États-Unis. Vous recrutez un peu partout en France. On va continuer à faire le portrait de votre entreprise. Mais juste pour finir, euh, Paris-Rennes, quelle autre ville euh, a besoin de, de, de recruter Non. Toulouse, Lille, euh, voilà, voilà les principales, les principales villes. Alors nous, nous tenons beaucoup à notre implémentation euh, régionale, donc, effectivement, euh, siège à Marseille. Forte présence également à Paris, mais, euh, mais euh, une, équipe, une équipe tech euh, dans, la, dans la région Rennes, tout près de l'université d'ailleurs de Rennes 2. Voilà, avec un sous-jacent R&D, on l'a dit. Alors, je vous donne l'adresse le, le, pour postuler, rejoindre l'équipe de Clarisse, c'est hrhr at skippers.io. Vous allez évidemment retrouver euh, l'ensemble des postes à pourvoir, on n'a pas pu tout lister, mais sur le site de Skippers. Clarisse, vous restez avec nous, on va accueillir notre deuxième recruteur, on va continuer à parler recrutement. Vous êtes derrière votre radio, votre télé, euh, votre vous avez des questions pour Clarisse, pour Skipper, c'est pas vous nous les adressez. Je lui transmets en direct au fil de l'eau. Alors je vous donne un chiffre d'abord c'est 99 676. C'est le nombre de postes qui ont été. Promu, dont on a parlé sur cette antenne depuis euh, la rentrée, euh, depuis la rentrée euh, du mois de septembre. Vous recrutez, eh bien vous aussi. Venez pitcher votre boîte comme Clarisse, euh, comme Ralph qui est en train de s'installer euh, pour chercher évidemment euh, des candidats, des candidates. Et puis si vous êtes candidat, candidate, vous avez vu passer une offre d'emploi ou une boîte qui vous plaît bien, ben, vous pouvez nous écrire. On vous fera l'introduction avec vous à bfmbusiness.fr. Sans transition, on va parler maintenant de comment dire. <laughs> On va toujours être un peu dans la tech. On va parler d'assurance 3.0. C'est Ralph Rumi qui est avec moi. Bonjour Ralph. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Achille. Ça ne s'écrit pas comme le prénom. Je vous l'épelle pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. A-C-H-E-E-L. Vous avez une minute pour nous pitcher votre entreprise. Ralph, on vous écoute. Bonjour, on démarre. Donc Achille, c'est une compagnie d'assurance 100% digitale. C'est la première en France généraliste. Donc, on a été créé en 2020, en plein période Covid. On est aujourd'hui 65 salariés. On a fait plus de 200 000 contrats en moins de 18 mois d'activité. Les produits sur lesquels on opère, c'est l'habitation, la santé, le chien-chat et la PNO. Voilà, on distribue de deux modes différents. On est soit en direct sur le site achille.com où les internautes viennent directement souscrire, ou alors on a un réseau de distribution via des courtiers euh, grossistes qui distribuent nos produits. Voilà, un nouvel assureur. Alors vous, vous, vous revendiquez d'avoir des tarifs très compétitifs. Euh, Justifiez-nous justifiez ça, Ralph. Oui, alors pourquoi on a des tarifs euh, compétitifs C'est qu'on est, qu est euh, vous l'avez dit tout à l'heure, on est une société euh, 3.0, donc de la tech. Euh, on a optimisé tous nos process et donc euh, on a moins de salariés qu'une compagnie traditionnelle. On a enlevé les intermédiaires, ce qui nous permet de, de pouvoir proposer des prix qui sont 15 à 20 moins chers que nos concurrents. Voilà, un peu comme avec Clariste, on est dans un univers euh, assez technologique quand même. Vous allez chercher euh, avec nous euh, ce midi euh, des profils pour rejoindre votre équipe. Vous êtes 65, vous l'avez dit. Vous vous êtes lancé pendant le Covid, vous avez survécu, bravo. <laughs> Maintenant, vous avez besoin de continuer à grossir. Alors, vous recherchez une dizaine de personnes. Ralph, listez-nous les deux trois postes les plus urgents à le plus plus pouvoir. Pour voir. Donc, on cherche des gestionnaires sinistres parce que l'assurance c'est bien beau, mais une fois qu'on a un problème, il va falloir euh, rembourser euh, tous ces gens qui ont des petits soucis. Donc, c'est très important chez nous. Donc, des gestionnaires sinistres qui connaissent le métier. Pas forcément des gens qui ont beaucoup d'expérience. On voudrait formater aussi les gens par rapport à notre façon de travailler. Donc, quelques années d'expérience dans l'assurance, dans mais pas plus. Ça, c'est pour débaucher. C'est pour débaucher. <laughs> euh, on, je, on cherche aussi des data analystes. Alors, ça, c'est important. Vous nous avez demandé comment on fait pour être moins cher. Ben, on a euh, l'intelligence artificielle et la machine learning. Ce n'est pas que des mots euh, chez nous. C'est des choses qui sont très importantes. Donc, on cherche des gens qui sont capables de faire ça. Et euh, des développeurs web, bien sûr, parce qu'on a toujours besoin de gens pour euh, faire des nouveaux produits, des nouveaux logiciels. Alors vous êtes basé à Paris, comment ça se passe au niveau recrutement Vous recherchez nécessairement des gens à Paris, est-ce que notamment pour les gestionnaires de sinistres, il faut être physiquement au bureau, au télétravail Comment ça se passe Oui, alors on est très au travail et on n'est pas très télétravail. Alors on a une journée par semaine de télétravail, donc c'est une société dans laquelle on prône vraiment l'esprit d'équipe et, euh, et euh, l'appartenance à, à une entreprise. Donc, on aime bien que les gens soient au bureau. Donc, chez nous, les gens viennent au bureau et euh, ont, envie de le, ont envie de venir. À une époque, on, était, on proposait le full télétravail et tout le monde venait quand même. Donc, euh, on est plutôt euh, prêt, en présentiel. Je vais vous garder, Ralph, et on va euh, relancer aussi Clarisse avec quelques questions pour finir le portrait de vos deux entreprises. Si vous voulez rejoindre Achille, ça se passe à l'adresse qui s'affiche à l'écran, jobs@achille.com. On a parlé de gestionnaire de sinistres, métier euh, traditionnel, si je puis dire, euh, du monde de l'assurance, mais aussi euh, de développeurs web. Vous avez aussi besoin euh, de chargés de relations euh, clients, vous aussi, et des responsables de l'acquisition euh, en ligne, ou encore des gestionnaires côté back-office. Voilà, pour retrouver l'ensemble des postes à pourvoir, vous pouvez aussi aller sur le profil d'Achille sur Welcome to the Jungle. Je vous garde tous les deux. On était en train de, 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 de concevoir sur vos deux entreprises deux visions un peu différentes euh, du travail parce que euh, d'un côté, on doit venir au bureau. De l'autre, bon, vous maillez euh, la France euh, chez Skippers et donc vous offrez peut-être à ceux qui euh, sont en région une possibilité de travailler dans une boîte euh, depuis plusieurs villes. Euh, si vous deviez euh, qualifier l'esprit de travail dans vos... Différents bureaux. Clarisse, qu'est-ce que vous diriez chez Skippers Je dirais que c'est un, un mode de travail plutôt euh, hybride. Donc, on offre effectivement la flexibilité de pouvoir travailler euh, euh, en, en télétravail, euh, partiellement également euh, également au bureau. Mais le télétravail ne se limite pas uniquement au bureau dans, duquel on dépend, puisqu'on peut également télétravailler dans un autre bureau euh, d'un autre site. De, de, dans, la, dans, dans la région dans laquelle on se, on se, on se trouve. Voilà. Donc c'est à la fois une flexibilité et, euh, et, et en même temps le, le, la volonté quand même de garder les équipes euh, soudées. Ralph, euh, je vous présentais comme un assureur 3.0. J'aime bien poser cette question aux fondateurs d'entreprises un peu technologiques. Euh, Donnez-nous un outil tech avec lequel vous travaillez ou qui, euh, que vous utilisez au quotidien, que vous aimez bien et que, dont on ne parle pas assez. Ah, c'est compliqué comme question. Alors. Ne euh, me moi, dites pas Slack. Hein. Je ne vais pas vous dire Slack. On l'utilise, hein, Slack, mais je ne vais pas vous dire ça. Alors, moi, on a une spécificité. Moi, c'est ma quatrième ou cinquième société que j'ai créée. J'ai toujours fabriqué mes propres outils, tout le temps. Donc, je vais vous répondre un peu une, une réponse de Normand, mais nous, on aime bien tout faire nous-mêmes. Comme ça, c'est nos propres process. Et on, on ne prend pas de logiciel qui existe à côté. Donc, on a notre propre outils de gestion, notre propre outil de, de reconnaissance de documents, ainsi de suite. Donc, on fait tout nous-mêmes. Donc, je, je préfère prendre mes outils que prendre les outils à, à côté. Voilà, c'est ce petit message pour l'avortement côté tech. <laughs> Allez, une, une dernière question pour vous deux. Euh, 22% des nouveaux embauchés quittent leur emploi dans les 45 premiers jours. Chez vous, Clarisse, c'est quoi euh, le churn de candidats C'est quoi le turnover de candidats euh, alors ce n'est pas, pas, pas 42 jours quand même. Euh, euh, non, on a, on a l'objectif c'est vraiment de, de maîtriser euh, le, le, le churn. Il faut savoir que l'année 2022, pour nous a été une année de transformation hein, puisque une, on est une entreprise qui, euh, qui, se, qui se regroupe. Donc il euh, donc, y, y a eu quelques départs. Six aujourd'hui. Hein, nous avez nous dit, avons voilà. nous avons six ans. Nous avons aujourd'hui enfin, en réalité il y a 11 entités au total mais euh, six solutions. Euh, donc, donc euh, avec des, avec des mouvements euh, plus ou moins importants en 2022, mais euh, une vraie volonté d'avoir une maîtrise euh, absolue du, du churn, sur, euh, en tout cas de dérotation de, 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 d'effectifs euh, sur cette année 2023. Et chez vous, euh, Ralph, chez Achille, comment on fait dans un marché de candidats euh, pour limiter le, le churn Alors nous, on n'a pas beaucoup de churn. On est, alors après, on est très euh, récent, on est, récents, on est un, une société un peu de croissance, on a un peu le vent en poupe, donc les gens ont plutôt envie de venir chez nous plutôt que de partir. On a eu des départs, bien entendu, mais c'est plutôt pour des projets euh, qui étaient tout à fait différents de ce qu'ils avaient euh, chez nous. Donc euh, la plupart des gens chez nous restent, euh, sont là depuis le début. On a beaucoup de collaborateurs qui sont là depuis le début de l'aventure et on les fidélise euh, par des BSPCE, par des, des choses comme ça qui font que les gens ont envie de rester chez Achille. On essaye de faire cet esprit de famille qui fait qu'on n'ait pas envie de partir. Voilà. C'était nos deux recruteurs du jour. Merci à vous. Je vous donne euh, le programme parce que c'est la fin de cette émission. On sera là demain, évidemment, dès 13h en direct, à la radio, à la télé, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Le programme demain, ça ne vous aura pas échappé. On parle beaucoup d'agriculture cette semaine puisque c'est le salon de l'agriculture qui se tient juste à côté d'ailleurs de, de chez nous à BFM. Enfin, de BFM, pas très loin de, de, de nos locaux. Demain, on se posera la question comment se reconvertir dans l'agriculture et comment devenir agriculteur ou agricultrice pour les, les plus jeunes. Euh, on sera avec une entreprise qui vous aide à vous reconvertir on traitera tous les sujets parce que être agriculteur c'est avant tout être entrepreneur ensuite je vous donne le programme euh, du reste de la journée sur notre antenne il est euh, presque 13h30 dans quelques secondes vous allez retrouver le best-of des experts pas avec Nicolas Dose qui est en congé mais avec Emmanuel Lechypre et puis dès euh, 14h vous retrouverez euh, l'émission Les Pionniers euh, de Fred Mazzella, son pionnier de la semaine c'est l'auteur Marc Lévy vous avez des questions, des réactions sur cette entreprise sur cette émission, vous nous écrivez à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, n'hésitez hein, pas, vous pouvez m'écrire un petit message en direct. Toute l'équipe est mobilisée pour répondre à vos questions, à vos réactions.